Hello à tous, bon mais c'est le premier jour aujourd'hui. Donc il y a un changement de programme, je devais commencer à 8h30 mais comme j'ai pas été capable d'aller récupérer les clés et que c'est moi qui ouvre les bureaux, à 8h30 il n'y a personne. Donc on m'a dit tu commenceras à 9h30. Donc ça m'a permis d'amener les filles une dernière fois à la crèche. Donc voilà, on est un peu plus pressé quand même. Et voilà. Donc bon, il y a des gens qui me regardent, j'ai un peu plus, je me sens un peu plus mal à l'aise ce matin à parler à la caméra. Donc voilà, allez, je vous laisse, à plus. À chaque fois, il y a Isa de Isa Family Vidéo qui me demande « Mais t'es super à l'aise toi dans la rue à parler ?» Ben là, aujourd'hui, je peux te dire que comme il y a beaucoup de monde, parce que je suis plus dans les horaires des gens, ça fait un peu drôle, hein, pour vous montrer un peu, c'est blindé de gens, j'ai l'air d'une grosse tarée avec ma caméra. Mais c'est pas grave, allez. Je suis arrivée dans le quartier de mon travail. Donc ce que j'appréhende le plus de cette journée, c'est ma poitrine. Voilà, c'est la première fois que je vais être autant séparée de Lou. Et je sais que je vais avoir la montée de lait. Je sais qu'à la fin de la journée, je vais avoir la poitrine engorgée. Et voilà, c'est ce qui me... C'est ce que j'appréhende le plus dans la journée. Mais bon, maintenant j'ai l'habitude, hein, j'en suis à mon troisième allaitement. Je vais traverser. Donc voilà. Donc, moi je bosse dans les beaux quartiers, parce que ce qui me manque le plus de la France ici, c'est qu'il n'y a pas de bon pain, il n'y a pas de bon croissant. Comme je bosse dans les beaux quartiers, j'ai la chance d'avoir une des meilleures boulangeries de Barcelone par là. Donc je vais aller acheter des croissants, des bons croissants pour mes collègues. Voilà, comme c'est mon premier jour, ça fait longtemps que je ne les ai pas vus, j'ai envie de leur faire plaisir. A plus. Voilà. Voilà, donc ça fait partie des petits plaisirs du travail, d'avoir des bons croissants et du bon pain. Bon, je vais pas tous les jours, hein, parce que vu le prix aussi. Et sinon là, quand je suis partie, c'était en travaux et là ils ont fait un hôtel de luxe. Ça change énormément dans les villes, tu pars, c'est en travaux, tu reviens, paf, un hôtel de luxe. Bon, sinon je voulais vous dire que si vous venez sur Barcelone, ne pas oublier que les piétons ne sont jamais prioritaires, ce sont les voitures qui sont prioritaires. Donc pour eux c'est jamais rouge, c'est orange, donc s'il n'y a personne ils peuvent passer, donc c'est à vous de faire attention. Donc ne vous fiez vraiment pas, les gens ils rigolent pas en voiture, hein. C'est à vous de faire attention en tant que piéton. Voilà. Et si vous avez le malheur de ne pas faire attention ou de traverser, ben ils vont pas ralentir, ils vont accélérer. Donc voilà, petit conseil si vous venez à Barcelone.